Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous parle de ma plus grande peur. Tout d'abord, j'aimerais vous poser une question. Comment est-ce que vous vous sentiriez face à votre plus grande peur? Vraiment, vous avez une peur panique de faire cette chose et aujourd'hui, vous prenez la décision de le faire et vous le faites. Voilà, comment est-ce que vous vous sentiriez? Je vous mets dans l'ambiance pour vous expliquer finalement comment moi je me suis sentie il y a quelques jours. Alors en fait, lundi, je suis partie à Paris, absolument toute seule. J'ai dû prendre le métro, j'ai dormi chez quelqu'un que je ne connaissais pas en Airbnb et j'étais donc pendant 3 jours en séminaire avec plein d'entrepreneurs de France, de Belgique, du Canada, enfin un peu de partout. Et du coup, voilà, je me suis retrouvée complètement seule. Et ça, c'est ma plus grande peur puisque j'ai extrêmement peur de me perdre. J'ai extrêmement peur de l'inconnu, des inconnus également. Alors, pas forcément dans mon village, tout ça, mais j'ai extrêmement peur des grandes villes, de pas réussir à trouver mon chemin, tout ça. Donc, je suis toujours en train de suivre le mouvement. C'est toujours quelqu'un qui va dire, ben voilà, on va là, je prends... on va prendre ce métro-là, on va faire ci, ça, ça. Et moi, je suis, voilà, comme un petit enfant, en fait, qui suit les parents. Et c'est très, très rassurant pour moi parce que je n'ai pas du tout le sens de l'orientation. Et là, je me suis dit... Allez, il faut que je sorte de ma zone de confort. Alors, pourquoi j'ai voulu faire ça aussi? Parce que pour moi, voilà, rester dans ma zone de confort, c'était rester chez moi, faire le travail que je connais, voir les gens du village que je connais, mais voilà, jamais aller beaucoup plus loin. Je prends pas très souvent ma voiture, je prends pas trop de risques en général dans ma vie. Donc là, je me suis dit, allez, il faut que je sorte de cette zone de confort pour pouvoir vraiment... voilà, travailler sur cette peur parce que c'était vraiment l'une des dernières peurs qui me restait. J'ai réussi à en éliminer tout plein de croyances limitantes, tout ça. Et comme vous le savez sans doute, j'ai lancé il y a pas longtemps la formation confiance en soi et succès, où justement je vous parle donc des différentes clés pour faire face à la peur, comment l'éradiquer, comment voilà, je vous parle de l'ego, je vous parle de la communication, je vous parle de plein de choses différentes, comment devenir un leader de sa vie. Et en fait, je me suis dit, là ma cocotte, t'es en train de dire à tout le monde qu'il faut faire comme ça, mais toi-même t'as encore une grosse peur et il faut travailler dessus. Voilà, donc j'ai travaillé dessus, je suis partie pendant 3 jours et demi, on va dire, en séminaire. Et j'ai eu que des galères. J'ai pris donc le train, il y avait un éboulement sur la voie. Donc j'ai dû vite rouler en voiture jusqu'à la prochaine qui était très loin, à 100 km, la prochaine station pour enfin aller à Paris. Donc à Paris, je me suis retrouvée toute seule le soir. Et là, il a fallu que je prenne le métro. Et bien sûr, ce qui a dû arriver est arrivé. C'est-à-dire que j'ai pris le bon métro, mais dans le mauvais sens. Et du coup, alors c'était un vrai périple, c'était rigolo. Hein. Je pense pour les gens qui me voyaient paniquer, presque pleurer, ça devait être bien rigolo. Mais c'était incroyable parce que je me suis rendu compte que les Parisiens, mais quand on commence à leur parler, à leur sourire, à dire... Et s'il vous plaît, je suis perdue, vous pouvez m'aider. Eh bien, ils sont super gentils. En fait, on m'a porté la valise, on m'a indiqué le chemin. Il y a même quelqu'un qui est venu avec moi dans le métro pour me dire, bah regarde, là tu sors, tu prends le prochain, tu te diriges par là. Mais c'est incroyable. J'ai dû parler à, je sais pas, peut-être 10-15 personnes parce que je me suis perdue plusieurs fois. Il m'a fallu à peu près 2 heures pour faire, je sais pas, peut-être 2 kilomètres, pas beaucoup plus. Et après, pareil, dans les rues, je me suis perdue, il pleuvait, enfin, c'était catastrophe. J'avais une salade que j'avais pris dans une petite supérette avec ma bouteille d'eau, mon sac à main, ma valise. J'avais même plus de main pour le parapluie parce que j'avais mon GPS en main et je tournais, je trouvais pas où aller. Enfin, c'était une catastrophe. Bref, j'étais en plein cauchemar puisque je vivais à fond ma plus grande peur. Et du coup, j'ai quand même réussi à trouver donc le Airbnb qui était à peu près peut-être à, je sais pas, 300 mètres de mon arrêt de la station de métro. Bon, bref, hein, voilà. C'était compliqué pour moi, mais j'ai réussi. Et le lendemain, encore une fois, c'était pour moi une très très grosse épreuve parce que j'ai un petit peu de mal à nouer facilement des contacts avec les gens parce que j'ai toujours l'impression de ne pas être assez intéressante et de me dire que je vais embêter les gens.
ça peut paraître bête, je me dévalorise un petit peu. Là, c'est mon ego. Voilà, on a deux types d'ego, comme je l'explique dans la formation. L'ego où on se sent super puissant et l'ego où au contraire on se sent tout petit, on n'ose pas s'imposer. Et donc du coup, ben voilà, cette partie-là de mon ego a fait que je me suis dit, voilà, je suis là, mais ils sont tous à un niveau tellement supérieur au mien, ils gagnent voilà des centaines de milliers d'euros peut-être par mois, enfin j'en sais rien. Je me suis fait toute une montagne. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que plein de filles, plein d'hommes se sont intéressés énormément à ce que je faisais. Pourtant, les ongles, c'est pas trop un domaine masculin. Quoique, nous avons maintenant un homme, donc Aurélien, dans la formation qui nous a rejoint. Donc voilà, ils sont bien sûr les bienvenus. C'est d'ailleurs notre petite mascotte maintenant. Et du coup, je me suis retrouvée là-bas et tout le monde était impressionné par ce que j'avais fait. Tout le monde disait, ouais, mais tu te rends pas compte, c'est génial. Moi, je suis pas un dixième de ce que t'as fait. Quoi, en un an, t'as fait ça? Mais tout le monde était impressionné. Moi, j'étais là, mais c'est vraiment bien ce que je fais en fait. Tout le monde me dit, mais c'est incroyable comment tu peux avoir des résultats comme ça. Et tout le monde justement me demandait la clé de mon succès. Et là, j'avais tendance à dire, simplement, moi, je mets en premier plan l'humain. Souvent, on me disait, oui, mais ne sois pas trop proche de tes élèves, garde une distance de sécurité. Et moi, ce qui me caractérise, c'est que je suis simple, je suis dans la formation, comme je suis dans les vidéos, comme je suis dans la vie, je suis juste moi-même, en fait. Et j'aime beaucoup, beaucoup donner, donc je donne énormément de temps. C'est pour ça que je suis mes élèves 7 jours sur 7. Voilà. Quand on n'est pas passionné par ce qu'on fait, quand on n'est pas, là, le faire pour pouvoir aider les autres, finalement, on ne donne pas autant de son temps. C'est impossible de donner autant de son temps quand on pense que à l'aspect financier. C'est impossible. Sur le long terme, on tient pas, on craque. Moi, ce qui me fait tenir, c'est de voir que mes élèves ont des réussites, mais extraordinaires, quoi. Encore ce soir en live, il y a Jennifer donc qui va parler de son expérience de la formation, parce que voilà, elle m'a dit, moi j'ai tellement de gratitude envers toi que j'ai vraiment envie de t'aider à rassurer donc celles qui ont peur de se lancer dans la formation. Et est-ce que ça te dirait que je fasse un live justement pour répondre aux questions de celles qui voudraient nous rejoindre? Donc ce live se fait sur le groupe privé qui s'appelle Femmes d'exception, entre guillemets, du rêve à la réussite par Nathalie Krebs. Alors c'est un petit peu long, mais voilà, il fallait quelque chose qui se différencie un peu des autres pour que vous puissiez me trouver. Donc si vous voulez rejoindre le groupe, alors ce sera avec très très grand plaisir. Je vous mets le lien juste en dessous. Vous avez le lien vers les infos des formations, tout ça aussi bien sûr. Comme d'hab, je vous offre aussi une formation d'initiation gratuite et un atelier où on parle de la confiance en soi, tout ça aussi. Donc tout est sous cette vidéo, hein. Vous avez juste à dérouler et vous retrouverez tout. Et en fait, mais le fait d'affronter cette peur, finalement, je me suis dit, mais ça va changer ma vie. Parce qu'avant ça, j'avais tendance à me dire, je me sentais encore un peu comme un enfant, comme je vous ai dit, un peu tenu par la main. Voilà, on devait m'aider pour certaines choses. Et là, j'ai l'impression qu'il y a eu avant immersion, puisqu'on appelle ça une immersion, donc le séminaire que j'ai fait, et après immersion. Parce que clairement, j'ai l'impression de ne plus être la même. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus confiance en moi. Alors ça se voit pas forcément à travers la vidéo, mais je le sens en moi qu'il y a vraiment une clé, enfin je sais pas, quelque chose, c'est un verrou qui a sauté. Et voilà, je me dis, mais là, je n'ai plus de limites. La peur que j'avais avant, elle me freinait un peu. Donc j'essayais d'affronter les choses et tout, mais là, je n'ai plus de limites. Vraiment, je me sens mais tellement, tellement, tellement plus heureuse. Et en fait, cette vidéo, je voulais la faire pour toutes celles, donc sans doute vous, celles et ceux qui ont peur, en fait, qui ont peur de l'inconnu, finalement, peur de se lancer dans une formation, dans un nouveau métier ou dans tout simplement un métier, parce que quand on est voilà femme au foyer, on n'a peut-être pas travaillé encore et on a envie peut-être de s'épanouir, tout ça. Je sais pas si c'est votre cas, peut-être de se dire moi aussi j'ai envie de réussir, pas pour aller dire à la voisine, ah t'as vu je réussis ou quoi, mais pour moi aussi personnellement, pour me dire voilà je fais quelque chose, je contribue à la société, je contribue à ramener de l'argent pour la famille aussi, je contribue à rendre mes enfants plus heureux et je peux faire tout ça de chez moi. Enfin voilà, il y a tellement, tellement, tellement de gratification là derrière, dans le sens où quand on fait quelque chose par passion, eh bien on est
finalement remercier de tant de manières différentes, tant par les clientes que par l'argent qui arrive aussi, par la satisfaction personnelle, voilà, à tous les niveaux, on est beaucoup mieux, on est beaucoup plus heureux. Donc moi, je me suis rendu compte que le fait d'affronter ma peur, c'était douloureux. Mais alors vraiment douloureux, hein, parce que j'ai dû y aller, j'avais la boule au ventre. Et pour ça, j'ai un exercice d'ailleurs que je vous donne dans la formation Confiance en soi et succès, qui est de toujours se dire, est-ce que jusqu'à présent, maintenant, ça va? Est-ce qu'à l'instant T, maintenant, tout de suite, immédiatement, est-ce que je me sens bien? En fait, ça sert à rien de stresser déjà 3 semaines avant, de se dire, mais comment est-ce que ça va se passer? Parce que souvent, on se dit que ça va être bien pire que ça n'est en réalité. Alors qu'en fait, si on attend vraiment la dernière minute pour stresser, eh bien, on y va en étant beaucoup plus cool. Et franchement, je me suis étonnée parce qu'au début de la formation, donc que j'ai suivi le séminaire, il fallait se présenter un petit peu devant tout le monde, donc devant les 60 personnes en parlant assez fort et tout. Et moi qui ai tendance à pas parler trop fort, à être assez discrète et tout, c'était vraiment une épreuve pour moi. J'en avais mal au ventre, quoi. J'étais sur le point de m'évanouir. Et à la fin du séminaire, il fallait faire la même chose en disant voilà ce qu'on a pensé du séminaire, comment on se sentait, dans quelle énergie on se trouvait et tout. Et là, je me suis rendu compte que déjà, je parlais beaucoup plus fort, je regardais tout le monde dans les yeux, j'essayais de faire un tour d'horizon. Et voilà, le fait que j'ai fait des rencontres extraordinaires, que j'étais tellement entourée de personnes formidables, mais ça m'a reboosté, quelque chose de c'est un truc de fou, quoi, vraiment. D'ailleurs, si certaines d'entre vous regardent ou certains d'entre vous regardent cette vidéo, merci infiniment du fond du cœur, parce que vous avez fait sauter des verrous en moi. J'aurais pas été capable de le faire seule, voilà. Si j'étais pas sortie de ma zone de confort, si j'étais pas allée là-bas, j'aurais pas rencontré ces gens-là, et je me dis mais il le fallait. Et d'ailleurs, à la prochaine immersion, je pense que j'y serai de nouveau, parce que maintenant, j'ai beaucoup moins peur de refaire, de réitérer l'expérience et d'aller à Paris toute seule. Je pense que pour le coup, il y aura plus de problème de train, parce que là, au lieu de que le retour se fasse sur 1h30, en fait, c'est fait sur 5h30. Je suis allée loin en Allemagne pour revenir en Allemagne plus près de chez moi, puisque j'habite assez proche de la frontière. Et du coup, j'ai mis 5h30, je suis arrivée chez moi. Je crois qu'il était 1h30 du mat, alors que j'avais dormi 2 heures par nuit lors du séminaire, parce que j'avais tellement bossé que j'arrivais plus à dormir, en fait. Il y a trop de choses qui tournaient dans ma tête. Et du coup, j'étais épuisée, mais heureuse de l'avoir fait. Franchement, super heureuse, quoi. Donc, je suis rentrée hier. Je vous fais déjà cette vidéo parce que j'avais vraiment envie de vous la faire. Et c'était surtout pour vous dire, alors vous dites peut-être, mais c'est quoi le but de cette vidéo? Alors le but de cette vidéo, c'est de vous dire que si vous avez des peurs actuellement, déjà c'est pas une fatalité. On peut aller au-delà de ses peurs, il faut juste le décider. Et puis par contre, il faut se donner un petit coup de pied aux fesses quand même pour le faire, parce que c'est un peu douloureux. Voilà, quand je me suis retrouvée seule dans le métro, perdue, que j'avais l'impression qu'il y avait des gens un peu pas très sympathiques autour de moi. Au final, quand j'ai commencé à leur sourire, ils m'ont souri en retour. Il y en a même qui m'ont, comme je vous ai dit, il y avait une personne qui me faisait un petit peu peur dans le métro. Et au final, elle m'a porté ma valise sur tous les escaliers, elle m'a indiqué le chemin et tout. Donc souvent, on a des a priori sur une situation, sur des personnes, sur des choses comme ça. Et au final, il faut juste passer au-delà. Quand on le fait dans l'amour, dans la bienveillance, dans tout ça, ça peut que bien fonctionner. Et si vous avez envie de nous rejoindre dans la formation, mais que vous avez encore peur, regardez les témoignages. C'est pas du fake, hein. Vraiment, c'est des filles qui sont dans ma formation. Vous pouvez les contacter par Messenger. Vous pouvez les contacter via le groupe privé où je vous invite. Justement, faudra par contre répondre aux 3 questions parce que je filtre beaucoup à l'entrée. Il y a beaucoup de gens que je n'accepte pas parce que je ne les sens pas assez motivés. Donc faut vraiment être top motivé, bien répondre aux questions avec vraiment beaucoup de sincérité. Donc là, je vous accueille bien sûr parmi nous. Et donc vous verrez, vous pouvez parler aux élèves. J'ai envie de vous dire, ne me faites pas confiance, mais faites confiance aux élèves qui l'ont fait, qui eux-mêmes avaient peur et qui ont tenté l'expérience et qui en ressortent, mais avec des entreprises qui tournent à fond, avec une passion qu'elles ont pu mettre en application. Elles travaillent maintenant de chez elles avec les clientes qu'elles ont envie de prendre, et c'est juste
quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, si vous avez envie de nous rejoindre, ce sera avec très très grand plaisir. Je vous accueillerai les bras grands ouverts sur le groupe privé. N'oubliez pas que le lien est juste en dessous. Je vais peut-être même vous mettre un petit message pour vous faire accéder à ce groupe. Et puis voilà, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye.